donc à 9 km par exemple, de la frontière pour une visite de chantier, une question de suivi. Vous savez, le président de la République a lancé les travaux de Koya Famouria au mois de décembre. Nous sommes venus faire le suivi sur le terrain pour voir exactement ce qui a été fait depuis le lancement. Et je voudrais globalement marquer notre satisfaction quant à l'évolution du chantier. Et nous avons parcouru les deux tronçons qui ont fait déjà l'objet d'attribution aux deux entreprises que sont CGC et Nanshin. Chaque entreprise, chacune des entreprises, 35 km à réaliser avec des ouvrages de franchissement. Nous avons constaté déjà la construction des bases de ces entreprises. Et comme vous savez, pour un projet routier, les travaux préparatifs prennent encore plus de temps que la réalisation, la construction, proprement dite même, de l'étude. Donc nous avons visité les bases de Nanshin, les bases de CGC et l'identification des carrières qui est en cours aujourd'hui par ces deux entreprises et aussi la mobilisation et du personnel et du matériel. Nous osons croire que les travaux vont démarrer très rapidement. Il se trouve que la mission de contrôle qui doit garantir la qualité du travail est en phase de recrutement avec nos partenaires de la Banque africaine de développement et l'Union européenne qui nous accompagnent dans le financement de ce tronçon pour rendre Conakry, Forêt-Calais à Famouria vraiment circulable et une route qui sera une route digne de son nom pratiqué. Pour l'instant, comme les travaux sont, la route est très dégradée, nous avons déjà instruit aux deux entreprises de faire des travaux d'entretien sur les deux tronçons et vous avez constaté avec nous que ces deux entreprises se sont déployées et aujourd'hui elles sont en train d'assurer les travaux d'entretien et ces travaux vont continuer jusqu'au démarrage effectif des travaux de construction de la route. Déjà les bases sont construites, sont en train d'être conçues pour l'autre et aussi l'identification des carrières, des laboratoires au sein de ces bases vides, des choses qui sont essentielles pour la construction d'une route. Quel est le coût global de ces routes? C'est dans l'ordre de 700 et quelques milliards de nos francs guinéens. Contribution, financement assuré par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Les travaux de démarrage proprement dit vont commencer. Les travaux ont déjà commencé, comme je l'ai dit. La construction d'une base vie, ça fait partie du démarrage d'un chantier, d'un projet. Donc, les bases vies sont en train d'être construites en ce moment. L'identification des carrières qui doivent, c'est les carrières qui doivent servir à faire la route. Ça aussi, c'est en cours. La mobilisation des engins roulants, c'est en cours. Et la mobilisation aussi du personnel, tout a déjà commencé. Donc, vous savez, la dernière partie, c'est ce que vous voyez. Quand on commence à mettre le noir, comme on le dit dans notre jargon, commencer à mettre le bitume. Mais pour l'instant, les travaux qui ne sont pas visibles sont déjà en cours, sont en train d'être exécutés. Et notre démarche aujourd'hui vise surtout à rassurer la population qu'il y a du travail qui se fait, qu'on ne voit pas forcément, mais on va naturellement créer un certain confort pour que les populations puissent se déplacer aisément avec les niveaux sur la route et aussi avec la saison hivernale qui approche très rapidement. Il est important pour nous de nous rassurer que la route sera praticable pendant la saison des pluies. C'est pour ça que nous avons demandé aux entreprises d'être sur le terrain et d'entretenir quotidiennement pour que la route soit toujours praticable pendant la période de pluie. Mais je peux vous rassurer que le projet a déjà démarré et on commencera à voir les gros engins sur le terrain en train effectivement de faire le terrassement sous peu. Sa venue vient encore renforcer notre espoir de voir cette route reconstruite. En fait, après le lancement des travaux, le retard que cela a fait avant que ces travaux d'entretien ne commencent va commencer à inquiéter les populations que si on n'allait pas rentrer dans la saison hivernale avec cet état, au risque de voir
Porikaria coupé de Koya et pourquoi pas de Conakry, parce que c'est le passage obligé pour arriver à la capitale. Mais au jour d'aujourd'hui, avec son venu annoncé déjà, les trois derniers jours, on a compris que vraiment leur passage sur les chantiers encore encourage beaucoup, motive plus mieux encore les entreprises en charge d'exécuter les travaux. Trois jours durant, alors de Mafrenya déjà, vous avez vu, nous étions maintenant à la rentrée de Forécaria. Retenez que tout ça s'est fait en ces trois derniers jours. Donc ça, son arrivée nous a comblé d'espoir et puis l'inquiétude est dissipée. Nous savons maintenant compter sur l'exécution du reste des travaux d'entretien sur le tronçon Koya. Forod, où nous sommes arrêtés. Farmolien. Donc c'est juste que tu as parlé parce que vous dites que c'est la lettre de journal. Je vous dis que l'accélération des travaux, les travaux, ça traînait. L'entretien traînait, il faut être. Je dois l'avouer la vérité. Ça traînait. Mais depuis lundi, on a dit ah, le ministre arrive. Mais bon. Alors, on a vu en trois jours les travaux réalisés durant ces trois jours-là, ça veut dire que réellement, le ministre a raison de passer de temps en temps dans les chantiers pour visiter et c'est aussi une façon de motiver et d'encourager les travailleurs de faire mieux ce qu'ils doivent faire. Le ministre est fini, commencer le travail, passe. Ce qui se passe. Parce que. Maintenant, encore commencer, recherche canier, recherche laboratoire. Monsieur Kalien, encore, travail, après commencer, travail mission contre base. Maintenant, saison bruit à la, la loi de vous casser, c'est qui c'est. Maintenant, en bruit, c'est bien la route. C'est pour ça le travail. Merci. Voilà. C'est complètement dégradé. On change par une structure qui résiste pratiquement au trafic. Parce qu'on a tenu compte du trafic du port. Donc c'est la couche de fondation, 1 cm, une couche de base en grave de 14 cm, une couche de roulement de 7 cm. Donc c'est une dimension à l'angle. Est-ce que les ouvrages d'assainissement sont présents? Oui, il y a des radiers pour faire collecter les eaux qui vont venir des cunettes pour les évacuer vers les points les plus bas. Et où en sommes-nous? Quel est le niveau d'avancement des travaux? On est pratiquement à 30%. Est-ce que vous avez tous les moyens pour achever le projet? Tout est mis à disposition. C'est des travaux de nuit, tout est mis à disposition. Si vous venez ici la nuit, on est tous les équipements. À quand peut-on s'attendre la fin des travaux? Avant les grands. Les transversales nord et sud de part et d'autre de la route du Prince, ainsi qu'un ouvrage d'art qui fait 130 mètres de long sur la transversale T10. Ok, sur cet ouvrage d'art, on a entendu monsieur le ministre dire que c'est un ouvrage qui est trop beau pour un coin qui est isolé. Et... Ah, j'aurais tendance à dire que rien n'est trop beau pour Conakry. Non, c'est un bel ouvrage, effectivement, un ouvrage à 5 travées, de 22 mètres de travées chacune, mais il est vrai que c'est un bel ouvrage, mais on se devait quand même d'avoir une belle uniformisation sur les transversales, et c'est pour ça que bon, c'est un ouvrage qui malheureusement ne sera pas à la vue de tout le monde, mais qui néanmoins est significatif de la grandeur de Guy Copresse, puisque grâce à cet ouvrage, on peut prévaloir maintenant de beaux ouvrages d'art dans notre entreprise. Quel est le niveau d'avancement des travaux? Alors le niveau d'avancement, on va dire, il est à peu près de 30%. Sur le délai contracté est de 16 mois. Il est de 16 mois, effectivement. Seulement, nous avons été confrontés à un gros problème de fondation profonde. Nous avons été obligés, dans le lit de la rivière, de réaliser des forages avec des fondations profondes de 20 mètres de profondeur. Et c'est ce qui nous a causé quelques problèmes. Bon, mais le sol étant trop instable et compressible, nous avons dû aller chercher le bon sol à 20 mètres de profondeur. C'est ça qui nous a causé des problèmes. Je vois un peu la situation sur le terrain. Est-ce que... respecter le fonctionnement qui a été avec la mission, voir aussi l'état d'avancement et aussi les difficultés que les entreprises rencontrent sur le terrain et voir qu'est-ce qui peut être amélioré
pour les permettre d'aller plus vite, pour assurer la mobilité humaine pour les usagers qui en ont besoin. Comme vous savez, c'est le centre-ville. Plus précisément où nous sommes là maintenant, c'est à proximité du Toulon. Tous les gros porteurs empruntent cette voie. Les ministères sont dans le même barrage. Donc il était important de s'assurer que le travail est fait, très bien fait, mais surtout rapidement fait pour permettre de libérer la circulation, pour ne pas que cela porte préjudice à notre à l'économie. Monsieur le ministre, on sait que c'est très bien d'exiger des travaux de qualité. Est-ce que le gouvernement a fait ça dans le contrat? Est-ce qu'il est moins disponible? Vous savez, nous sommes dans une relation contractuelle. Si les moyens tardent, nous restons tout de même très crédibles et très solvables. Sinon, les entreprises n'allaient pas être sur le terrain. Nous travaillons en bonne intelligence pour le partenariat nécessaire pour les permettre, elles aussi, de fonctionner. Que cela soit assuré par le gouvernement, mais aussi permettre à ce que certaines facilités soient assurées de part et d'autre, pour que nous ayons une certaine mobilité dans la capitale et que le cadre de vie de revient progressivement pour permettre aux gens de ne pas être dans un amphithéâtre que l'on ne peut pas. Pensons que réhabilitant les routes, en reconstruisant ces routes avec le améliorer le cadre de vie tel que l'a recommandé par le chef de l'État et dans ma lettre de mission assignée par le chef du gouvernement de la ministre. Quels sont les genres de travaux que vous avez prévus à Madina? Nous avons été à Madina aussi. Comme vous savez, nous avons beaucoup de gros porteurs qui circulent dans la journée, ce qui rend encore la circulation très difficile à Conakry. Nous sommes partis voir comment améliorer la mobilité dans Madina pour permettre justement de faire non seulement les routes mais aussi assurer l'éclairage public pour permettre à ce que les camions viennent déposer la nuit, pour permettre à ce que notre réseau routier de Kaloum soit un peu libéré de ces gros porteurs qui circulent au même moment que tous les autres véhicules, les usagers dans la zone. Donc Madina avec et les commerçants, la mairie, le syndicat, les associations qui y habitent, les populations riveraines, nous sommes rencontrés aujourd'hui pour discuter justement de comment on peut améliorer les voiries du marché de Madina, mais aussi faire en sorte que les désirateurs tels que présentés par les populations riveraines, que l'on prenne cela aussi en compte, pour que le meilleur cadre de vie soit trouvé pour les uns et pour les autres.